Lors de certaines maladies ou d'accidents, vous pouvez perdre la capacité de vous exprimer directement. Pour prévoir cette situation, vous pouvez faire connaître vos souhaits par un document écrit, daté et signé. Vos directives anticipées. Elles précisent vos choix concernant notamment la poursuite, la limitation ou l'arrêt des traitements actifs. Comment seront-elles utilisées ? Les médecins seront ainsi amenés à appuyer leurs décisions médicales sur vos volontés exprimées. Pour cela, il faut bien sûr que l'existence même de vos directives soit connue de l'hôpital, de votre médecin traitant, de vos proches ou de la personne de confiance que vous avez désignée. Tout en conservant l'original avec vous, vous pouvez leur en confier des copies. La loi évolue sur ce sujet. Il est donc utile de se renseigner régulièrement sur cette démarche et la durée de validité de vos écrits. Alors, n'oubliez pas, connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre santé.